tous. Donc aujourd'hui, je fais un tout petit haul Yves Rocher et principal, bien sûr, Action. Donc ça faisait un moment que j'y suis pas allée. Donc là, j'étais hier vite fait. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris chez Action. Donc j'ai pas pris énormément. Je vous dirais qu'il y a énormément de monde. Donc ça, c'est Yves Rocher. Je vais vous le montrer après. J'ai déjà commencé par Action. Alors, tout d'abord, j'ai pris ça. J'ai pris des autocollants. Donc, c'est marqué des autocollants en mousse. Donc, c'est en relief. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je les ai trouvés super mignons. Alors, je ne sais pas si je coupe le ticket. Je ne l'ai pas sur moi. Non, je ne l'ai pas sur moi. Mais c'était moins de... Je crois que c'était peut-être 80 centimes. Je ne sais même plus. Mais c'est vraiment moins d'un euro. Hein, je tiens à préciser. Donc, j'ai pris cela. Il y avait trois styles hein, différents. Ensuite, j'allais pour ça, les couleurs Color Catcher, j'en ai pris deux, donc ça c'est toujours 1,89€, il y en a 10 dedans, et ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai trouvé, parce que moi je n'utilise que Cajoline, donc j'ai pris, c'est de la fleur de la passion et bergamote, et alors celui-là il y a 30 lavages, ah je crois que c'était de l'adoucissant. En fait, j'ai pris de la lessive, mais j'en avais de la lessive. Donc, j'ai pris de la lessive et je voulais prendre de l'adoucissant. Donc ça, avec ça, on peut faire 30 lavages. Il y a 750 ml et il coûtait 1,99€. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris parce que Cajoline, j'aime beaucoup ce produit. Ensuite, je repars dans la papeterie. Je suis désolée, je prends ce qu'il y a dès qu'il arrive dans ma main. J'ai pris ceci. Donc, ce sont c'est du papier craft. Excusez-moi, je vais avoir du mal à parler aujourd'hui. C'est du papier craft. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors, c'est du papier craft autocollant. Apparemment adhésif, ils appellent ça. Donc, j'en ai pris en pailleté comme ça. Il n'y avait que ces deux styles-là. Donc, j'ai pris. C'était moins de 80 centimes. Je crois que c'était dans les 80 centimes. Et voilà, je ne sais pas, c'était nouveau. C'est la première fois que je voyais ça. Ensuite, les promos de la semaine, il y avait ceci. Donc là, vous avez tout un lot. Vous en avez 3 ou 4 styles. Moi, j'en ai pris 2. Donc dedans, vous avez 32 feuillets. Donc moi, j'ai pris avec... je vais vous montrer. Hein, ils sont tous là, en fait. Mais moi, j'utilise beaucoup pour faire des... Oh là là, pour faire des cartes d'anniversaire. Donc c'est pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est pailleté. Donc voilà, vous avez plein de styles comme ça. Là, c'est des cactus, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, et ça, je crois que c'était 84 centimes. Excusez-moi pour le prix, je ne me souviens plus. Et l'autre que j'ai pris, c'était celui-ci. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, il y a des donuts, il y a des petits cœurs, voilà. Donc au moins, ça, je l'ai pris. Ils sont pailletés, donc ça, c'est pas mal. Je trouve que ça, c'est pas mal. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est un peu pailleté. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et moi, je m'en sers beaucoup pour faire des cartes, des choses comme ça. Ensuite, j'ai pris de la colle 100 ml. Donc, de la colle, tout simplement. Et ça, en fait, il y avait 3 styles de colle. Et moi, j'ai pris celle qui colle tout. Comme ça, c'est basique. Et c'est marqué. Et en plus, il y a le logo bio. J'ai même pas vu. Donc voilà, ensuite j'ai pris mes After Hate, ils étaient je ne sais même plus combien ils étaient, donc je suis désolée les prix pour cette fois-ci, je ne suis pas du tout dans le truc, donc j'ai pris des After Hate parce que j'adore ça avec mon café, donc ça j'ai pris, mais c'était pas cher. Ensuite j'ai pris de la marque Fema Pure, des serviettes hygiéniques, voilà, donc c'est dedans il y en a combien ? Ils disent pas. Bon, c'est ultra super absorbant. Hein, c'est en numéro 8. Mais par contre, ils disent pas combien il y en a dedans. C'est bizarre, ça. Bon. Il doit peut-être en avoir... c'est un petit paquet. Hein, donc, il n'y en a pas des masses. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Je crois que je les avais déjà pris dans un de mes hauls. Je sais plus. Alors là, je vous avouerai. Ensuite, on repart dans la papeterie. Donc, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des tissus. Je ne sais pas s'ils sont grands.
Mais c'est du tissu déco. Donc j'ai pris un petit format comme ça. Et j'ai pris ceci. Alors il n'y avait plus beaucoup de choix. Je crois qu'il y avait deux autres sortes. Donc moi j'ai pris vraiment ceux qui étaient, je trouvais qui étaient sympas. Donc ça peut être pas mal pour faire des petites choses. Voilà, parce que comme j'ai eu en cadeau une machine à coudre, donc je me suis dit je vais essayer de faire des trucs. Voilà. Et pour finir, j'ai pris ceci, parce que je sais que mon loulou adore ces gâteaux-là, donc voilà, j'ai pris ça. Je vais peut-être même en prendre un, parce que j'ai toujours pas mangé, il y en a 5 dedans, et ça coûte 99 centimes, toujours pareil, au même prix. Donc ça, c'était chez Action, donc c'est pour vous dire que j'ai pas acheté grand-chose. Bah, pour une fois, j'en ai eu pour 26 euros, ah oui, et j'ai acheté des... Alors, il y avait une manette de jeu pour mon homme, et des entonnoirs. Pliable. Et il y avait trois, je crois qu'il y a trois entonnoirs différents dedans. Donc là, je les ai pas là parce qu'il les a gardés. Mais ça, c'était en plus chez Action que... Voilà. Ensuite, on part sur Yves Rocher. Donc, c'est un peu brouillon, hein, je suis désolée. Je suis un peu... j'essaie de faire mes vidéos au fur et à mesure pour que je puisse ranger mes affaires. Donc hier, j'étais donc chez Yves Rocher. Donc en cadeau, ils m'ont donné le fameux calendrier. Voilà. Bon, c'est un calendrier des plus basiques. C'est pas le truc que je pas. Voilà, c'est pas des photos qui me. Voilà. Mais bon, voilà, ça fait un petit calendrier 2020. Ensuite, j'ai pris. donc, ça, c'était pour tester. C'est un lait démaquillant apaisant. Donc, je voulais tester au lieu de prendre de l'eau micellaire. Je voulais tester ça. Voilà, en démaquillant. Donc, je vais tester. On va voir ça. C'était en promotion parce qu'il y a moins 70% chez Yves Rocher en ce moment. Donc ça, c'était vraiment pas cher. Hein. Pour tester, c'est pas mal. Et vous avez quand même 200 ml. Ensuite, j'ai pris, comme j'avais des cartes, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour aller chez Yves Rocher. J'avais un produit acheté. Un gratuit. Donc moi, comme j'avais déjà acheté, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que moi j'aime beaucoup Yves Rocher, j'avais acheté précédemment des brumes, donc les fameuses brumes Yves Rocher, et j'avais déjà acheté trois brumes, et il m'en restait plus que deux à prendre, donc j'ai pris à la pêche et à l'anis étoilé, ça sent super bon, franchement, et j'ai pris à la framboise et à la menthe poivrée, voilà. Donc ça, c'est tip top pour mettre sur les cheveux, le corps, ou même un petit peu comme style parfum. Franchement, c'est nickel. Moi, j'aime beaucoup les brumes et elles durent quand même assez longtemps, je trouve. Après, ça dépend peut-être. Hein. Ensuite, j'ai eu en cadeau un petit porte-clés comme ceci, en pompon. Il est tout doux, il est trop mignon. J'ai eu en cadeau aussi, normalement je devais avoir une trousse mais c'était en rupture de stock, donc j'ai eu le shampoing anti-pollution que j'utilise, donc ça tombe très bien parce que j'en ai presque plus. Donc c'est un shampoing micellaire détox et il y a 300 ml, donc très beau cadeau. Ensuite j'ai pris, alors je vais vous montrer, d'ailleurs je vais revenir parce que j'avais deux produits que j'ai utilisés justement. Et que je n'ai pas là. Donc le premier le produit en question, donc c'est déjà celui-ci. C'est un crayon à lèvres éclat. Voilà. Donc là j'ai pris la teinte, je ne sais plus, la teinte mauve tendre. Donc à la base ces stylos-là, ces crayons à lèvres, coûtent. Donc ça fait cette teinte. C'est assez clair, mais moi ça me convient. Coûte 11 euros. Et avec ma carte, je les avais à 5 euros. Donc, comme je voulais les tester. Et franchement, c'est tout. C'est fait un peu style effet labello. Voilà. La texture est vraiment douce et tout ça. Et c'est pas collant. Donc, ça, c'est bien. J'ai eu en cadeau pour réparer les cheveux. Donc, moi, ça tombe très bien parce que ils sont... Ils sont un peu secs au bout, donc ça tombe très bien. Donc c'est un masque baume 2 en 1. Et il y a 30 ml. J'ai aussi en cadeau, bien sûr, encore un shampoing. Le même shampoing que j'ai anti-pollution. C'est le même, je crois. Hein. Je crois, ouais, c'est anti-pollution, c'est le même. Mais en format voyage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je reviens de suite pour vous présenter les deux derniers produits de chez Yves Rocher.
Donc, les deux fameux produits. Donc, j'ai la même gamme. Celui-là, c'est la même gamme que celui-ci, hein. Donc, c'est sable doré. Celui-là que j'ai mis ce matin. Donc, c'est assez clair. Ça paraît un peu clair, hein, mais bon, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, c'est franchement à tester. Je vous le dirais bien de le tester. Et en plus, ils sont à 5 euros, hein, en ce moment. C'est crayon à lèvres éclat. Voilà. Ensuite, le dernier produit que j'ai pris, donc c'est un stylo rayonnant jeunesse, c'est un co correction et éclat. Donc moi j'en ai mis vraiment en dessous parce que j'avais une sale tête, je suis fatiguée en ce moment. Donc je vais vous présenter le produit, je ne sais pas si on va voir avec la lumière, parce que c'est un peu miroité quoi. Hein, c'est un peu... Donc en ce moment celui-ci il a 2,75, je ne sais plus, mais il est à moins 70%. Donc foncez-y. Donc c'est un... Que je fasse pas de conneries. Non, c'est là. Voilà, c'est un feutre comme ceci. Voilà. Donc c'est un feutre que vous mettez et ici vous tournez et puis il y a la crème qui sort et puis voilà. Et franchement, bon, après bon, ça se voit encore un peu mes cernes. Hein, je suis pas, j'en ai pas badigeonné non plus des masses. Mais voilà, c'était pour vous présenter un peu les produits que j'avais achetés donc chez Yves Rocher. Et en ce moment, comme je vous ai dit, il y a moins 70% dans les boutiques. Donc foncez-y si vous avez des produits que vous voulez ou éventuellement, vu qu'il y a encore la fête de fin d'année. Si vous allez chez des copains et tout, vous voulez offrir des cadeaux, bah allez-y, parce qu'il y a des parfums, il y a un peu de tout en ce moment, donc qui est intéressant. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère également aussi que vous avez passé un très bon Noël en famille, avec les enfants. Et puis bah sur ce, moi je vais vous dire peut-être, je ne sais pas si ce sera la dernière de l'année. J'essaie de trouver des petits moments, mais je pense que ce sera peut-être la dernière de l'année. Donc en tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine. Et au pire des cas, si on ne se voit pas, bah, ce sera l'année prochaine avec des nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Profitez de votre famille. Et bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!